Oui, alors qu'est-ce que vous faites, monsieur? On se Mandel. prépare pour l'événement, un bon petit tournage. J'espère qu'on va s'amuser, on va s'éclater. Et que vous allez T'es rigoler. prêt à souffrir? Ouais, je me fais des petites retouches là avant de commencer. Y a pas de maquilleuse. Tu sais que moi j'ai demandé à ma communauté, parce que c'est la mienne, tu vois. Ouais. Donc moi j'ai demandé qu'ils me donnent des gages pour toi, pour m'aider à trouver des gages. Toi tu vas devoir te débrouiller, moi je vais regarder un peu ce qu'ils me disent. Je suis. Comment ils veulent que tu manges des trucs dégueulasses ou que je te rase la tête. Non mais. Ah Ils m'ont tous dit rase-lui la tête. Non mais ça sera un gage pour moi. Moi j'ai plus envie. Des fois moi il Des fois il vient, il me dit celles qui coupe-moi les veulent cheveux. jouer, Hein? on lui propose un gage. À qui? Moi, je lui propose un gage. À Je sais celles qui ont pas. parlé là. Oui bah non, c'est chaud, tu peux pas. À Quel distance. film? Elle fume son gage, qu'elle est en train de T'as des idées pourries. le faire. Non mais, elle veut le défier. On défie, y a pas de souci. Aujourd'hui, y a pas de limite. Allez, c'est parti. Hello ma victime, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Mohamed Maha qui est venu pour l'occasion. Je l'ai invité sur la chaîne. C'est combien de temps que t'as ta chaîne? Je sais plus. Ça fait 5 ans, non? 5 ans, on fait Non, toujours la même 5 ans. présentation. Grave, Tu vois, vas-y. 5 ans après, normalement, t'es du. Very gentleman. Non, je sais pas trop parler anglais, mais bon. Alors, le but de ce jeu, c'est tout simplement voilà, une vidéo un peu fun, divertissement, bien Que tu sûr. perdes, que je gagne, c'est simple, tu vois, y a Voilà, c'est pas n'importe d'autre quoi. issue. C'est qu'on prend une énigme à chaque fois au hasard et qu'on essaye de voir qui répond le plus vite. Celui qui a répondu le plus vite, bah, en fait, il peut choisir un gage pour celui qui a perdu, en fait. Comment Vas-y, tu fais c'est pour savoir? parti. Cinq sœurs Plus sont dans fort. une pièce. Anna est en train de lire. Thérèse cuisine. Katia, je joue aux échecs. Attends, attends. Marie lave du linge. Que fait la cinquième sœur? Elle regarde. Bon, bah, là c'est parti, c'est-à-dire que là, ça y est, on a lu l'énigme, c'est le premier, tu te sens comment? Qui répond? Ouais, mais regardez, moi je suis en train de vous parler et tout, et lui il réfléchit là, il me laisse pas. Bah, tu Attends, réponds. attends, attends. Ok, 5 sœurs. Ah, je sais, j'ai trouvé! Oh là là, je vous avoue que même moi, quand je me regarde au montage, comment j'ai envie de me claquer. Je suis désolée. J'ai trouvé! Allez, il faut un buzzer. Buzzer! Je peux donner ma réponse? Elle joue aux échecs. Je l'ai trouvé à moi! C'est Ah, tu moi! l'as pas dit? Bah, voilà, c'est moi! Bah, elle l'a pas dit. Moi, elle l'a pas Bah, dit. t'as pas le droit! Joue aux échecs. Pourquoi t'as pas le Bah, droit? parce que t'as pas le droit, c'est moi qui ai dit je buzz Et et c'est alors, ma moi j'ai dit la réponse réponse. Ma avant. réponse, c'est elle joue aux échecs, Bah parce que non. Katia, elle peut pas jouer aux Et échecs toute seule. exactement, Et Katia bah, je suis joue pas aux bête. échecs. Et bah, c'est moi qui ai trouvé avant Non. toi. Mais attends, elle est fou. Bah, tu respectes, il faut Quel. buzzer. Bah, c'est celui qui a Bah, la réponse en attends, elle premier, on est a dit. fou. Bah, oui, bah, c'est moi qui avais. J'avais la réponse, c'était Ouais, mais tu ça. l'as pas dit. Bah, Donc ça se non, je suis trouve, moi désolée, j'ai dit c'est jeu aux moi. échecs, toi t'as copié derrière moi. N'importe quoi, on l'a dit que c'était ça que je voulais dire. Sors N'importe quoi. Si de c'est moi, là, tu vas réaliser un Katia joue aux de échecs. mes Je te préviens, je te claque. Je te jure, c'est moi. Hey, vous serez témoin de Ouais. ça. C'est moi. Normalement, 1-0. Non, c'est moi. Ouais, mais attends, Mais oui, mais attends. elle est là en train de gondoler, fredonner sa victoire. Parle! Dis les choses! T'as rien fait du tout. Là, J'avais trouvé, c'est Katia regardez. joue aux échecs. Bah, mais tu vas pas donner la Bah réponse. oui, mais parce que je voulais que tu me dises oui. L'ambassade, ils disent de venir ici prendre le vol. J'ai dit, c'est bon, je peux répondre. Ah, dis-moi oui, Non, tu donnes dis-moi. la réponse. T'as vu le gars? C'est Ah quoi vache, ça? moi je suis fière de moi, j'ai trouvé au moins 1 minute avant toi. Match nul, allez. La prochaine fois, tu fais les choses clairement. Tu m'as Voilà, j'ai donné chaud. chaud. Voilà, j'ai chaud. Mauvais perdant, c'est un truc de fou. Non, ça lui marre, sérieusement. Je suis trop forte, je suis fière de moi, je suis fière de moi. Hein, que... Mais la réponse, mais. Bah la réponse. Ah oui, imagine, c'est pas ça. Attendez. Oh non, elle joue la réponse déjà. Attends. Ah, je peux plus. La réponse est que la cinquième joue, sœur joue elle aussi aux échecs. Bon, bah c'était ça.
Alors, il y a 10 poissons dans un bocal, 4 se noient, 3 meurent et 3 autres sont vivants. Mais il y en a 10. Non. Moi, j'aurais dit 7. Bah, moi, je dis il y a 10 poissons dans parce un bocal. Parce que 4 se noient, 3 meurent. Ouais. Donc, il y aurait 7. Vas-y, vas-y. Moi, je dis il y en a 10. Et toi, tu dis combien? 7. Vas-y, voir la réponse. J'ai triché, j'ai regardé la réponse. T'es chiant. Bah, bah, si, bah, elle est logique. Non, bah, non, bah, non, t'as perdu, t'as triché. Ouais, oui, j'ai triché. Mais attends, hey, pourquoi 4 se noient, 3 meurent. Donc il n'y en a que 3 qui meurent. Donc il y en reste 7. Ouais, mais bon, t'as perdu, t'as triché. Je commence la nuit et je finis le matin. Qui suis-je? La lune. Ou ce que je me suis dit, mais la rage, c'est à trouver. Maintenant, il faut que je trouve une réponse à mon tour dans ma tête. Donc lui, il a dit la lune. Ça a rire d'arbre parce que j'ai peur. Le sommeil. Ah, ah, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Tu vas avoir un gars. Non, je vais pas faire comme t'as là. C'est la lettre N. C'est quoi? La lettre N. Commence la nuit et j'ai fini oh le matin. Ah, trop bien joué. Attends, vas-y. C'est ça. Voilà la réponse. La lettre N. Let's go. J'en profite parce que trop... quand il gagne, il est trop chiant. Alors je... là, là, je suis sur sa guinée, là. Ça doit, lui... ça doit le piquer. Bon, gage. Moi je dis, il y a des gens qui m'ont dit que tu manges une cuillère d'harissa. Quoi? Lâché, pardon. Voilà, je déteste ces trucs comme ça là. Attends, attends, quand tu t'appuies, ça tape. Non, mais ça touche à la santé là. T'imagines mon corps et tout ça. Après, il va avoir mal au ventre. Qu'est-ce qu'il dit? Allez, ça. Il faut... faut que je mette de l'eau. Non. Y'a pas d'eau en plus, ça pique un peu. Attends. Non, Non, justement, je me suis dit, attends, je suis gentille. Je vais pas te remplir toute la. Un chéton. C'est une. Quoi? Bah... Mais ça se met dans un sandwich, ça. Je suis un rat, là. Non, 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 ça se met dans un sandwich. Tu veux un café, tu veux que je fasse quoi? Je vais pas non plus te donner une petite miette, sinon ouais. C'est pas un gage. Ouais, il a un bon gars, je me barre. Non, non, mange tout d'un coup et avale et après. Le truc, ça pique pas. Ça pique? Allez, vas-y. Mais c'est pas bon. Bah oui, c'est pas bon tout ça. Ça, ça pique pas, on dirait. Ça pique? Ça pique? Ah, je l'ai avalé direct. Est-ce que ça pique? Ça va. Franchement, ça va. Eh, arrête ça, Samia, c'est quoi Samia là? Tu m'as. Elle n'a pas permis le truc? Bah non. Bah non. Regarde la date, moi le dick. Mais il n'est pas périmé. Ah non, il n'est pas périmé. Qu'est-ce qui est jaune avec une cape? Qu'est-ce qui est jaune avec une cape? Oh là là, moi, eh, franchement, moi, je suis perdu dans un truc comme ça. Yassir! C'est des trucs tellement d'enfants qu'il n'y a que les enfants qui peuvent trouver, ça se trouve. Franchement, bah... Yassir ouais. Yassir, j'ai une question, juste là, c'est une énigme, reste là. Qu'est-ce qui est... Est-ce qu'on cherche une énigme? La réponse. Une énigme, ça veut dire on... L'énigme, c'est quoi? C'est une question, il faut trouver la bonne réponse. Qu'est-ce qui est... Vous ne savez pas? Non, on ne sait pas. Donc on se dit peut-être tu vas savoir. Qu'est-ce qui est jaune avec une cape? Donne ta réponse, comme ça, après on te dira aussi la réponse. Iron Man. Hein? Iron Man. Iron Man. Il est jaune Iron Man. Alors, c'est pas forcément un super héros, attention. Qu'est-ce qui est jaune? On donne notre langue au chat. Bah vas-y. Une banane. Avec une cape, mais bon, ça serait une. Oh! T'as trouvé? Quoi? C'est une banane. Quand c'est une banane. C'est une banane. Mais pourquoi une cape? J'ai rien compris. Le pouce, et quand je la retire, ça ressemble à une cape. Voilà. Allez, enlève-moi ça là. Allez, tu vois qui est sur table.
C'est bien, mais t'as trouvé. Ah, t'as trouvé, fier de toi. Qu'est-ce qui peut faire le tour de la maison sans bouger? Oh là là, je suis perdue. Qu'est-ce qui fait le tour de la maison sans bouger? Moi, je dis soleil et parce que je sais pas quoi dire aussi. Et puis, on va voir, toi, tu dis quoi? Ah, tu peux donner une autre réponse? Et que genre, les deux, elles comptent? Non, tu choisis. Bah, choisis la deuxième réponse. C'est quoi? Le mur. Oh, bien joué. Bah, je sais pas si c'est ça. Vas-y, donne une réponse, on va voir si c'est ça. Le mur! Faut que ça arrête déjà. Franchement, c'est trop bête. Comment ça se fait? Je le bête. C'est ça, c'est des énigmes. C'est tellement, tellement bête qu'en fait, tu penses pas à ça. Bon, je suis partie voir vos gages. Donc, déjà, vous êtes pas. Vous voulez tous qui mangent des trucs dégueulasses et tout, le pauvre. Alors, un gage qu'on m'a proposé que je trouve sympa, c'est genre, il doit poser des fossiles avec la colle et tout. Ouais, tu veux de la colle et tout, tu veux. Je vais aller chercher une paire de fossiles. Regarde-moi un coup. Non, reste normal. Regarde-moi. Ah, t'as les paupières tombantes en plus, du coup, ils sont. T'as des petits yeux. Alors, je vais te prendre les. Je vais te mettre ceux qui tirent le plus. C'est des défis gentils que je vais te proposer, moi. Moi, faire un petit repas, faire un petit truc sympa. Un petit repas, c'est un défi pour moi, ça. Je vais faire. Ah, là, t'as joué ta maligne. Attends, je gagne. Tu vas souffrir. Tu dois les poser tout seul, là. Si toutes les filles arrivent. Bon, c'est mes paires de fossiles, là. J'ai pris les Iliana parce que, comme Mohamed, il allait. Regarde, monte tes paupières. Approche-toi. Bon, tiens. Donc c'est bon, là je vais mettre les fossiles coupés, là je lui donne la colle, j'ai peur qu'il m'appuie, qu'il m'en mette trop. J'ai mis de la colle. Elle est où ta colle? J'étais chimiste il y a un temps, donc j'ai travaillé en laboratoire. Ouais. Donc il fallait être minutieux. Je suis chaud quand même. Comment je fais pour... Bah, faut que tu fermes un œil. Tu l'as mis à l'envers. Vas-y, je te laisse. Non, je sais pas. Non, non, j'ai rien dit en fait. Tu l'as. Regarde ce que j'ai. Hey, ta colle, elle va sécher. Montre ce que tu fais là. J'ai l'impression que je l'ai mis trop à gauche. Oh, j'aime pas comment ça te fait. Tu peux te regarder là, tu vas te voir aussi. Moi, des fois, je peux les mettre. C'est comme un miroir. C'est trop loin. Ah, mais ça. Faut que quand tu le prennes, il faut que tu fasses les deux comme ça. Parce que comme t'as la paupière tombante, forcément ça va toucher à gauche ou à droite. Donc il faut que. Non, faut pas que tu t'y retournes, il faut que tu prennes le cil des deux extrémités. Voilà. Et là, tu le descends. Descends-le, mais il faut que tu le colles comme ça. Recourbé déjà. Arrête que tu te colles l'œil. Je m'appelle Bastien. Ah. Je m'appelle Bastien, toi. J'ai réussi à le faire. C'est bon, défi réussi. Non, mais garde-les un peu, il faut les garder un petit peu. Ah non, salut-moi, s'il te plaît. Garde-les au moins jusqu'à l'autre énigme. Parce que sinon, faut un défi, tu les colles. Non, on dirait un filtre. On dirait pas un filtre. Ouais. En fait, on dirait juste un mec qui a des grands cils, regarde. Non, non. On dirait pas un mec. Je doute de mon masculinité. Bon, bah, c'était le modèle Iliana. Si jamais vous avez kiffé sur le site salimaliani.com. Pour les yeux tombants. Je sais pas si il vous a fait une bonne démonstration. Ce n'est pas dans votre ventre, mais quelque part au-dessus. Beaucoup pensent que c'est le symbole de l'amour. Le cœur. Bah, tape. Voilà la réponse. Le cœur! Mais c'est trop pourri, mais c'est là, mais c'est logique que ce soit le cœur, mais. Mais. En plus, il m'a dit. Je me suis dit, ils ont recherché quelque chose quand même là. Hé hey. Franchement. Après ça, on finit de jouer, parce que moi, j'en ai marre de te donner des gages, ça, c'est trop fatigant. Et je veux que tu me fasses un massage des pieds. Vas-y, tiens. Tu dois faire pendant. Allez, t'as 5 minutes. Ça, j'aime bien ça. J'en profite. C'est pas possible. T'es... Faire la plate couture comme ça, c'est. Ah, ça fait du bien. Le cœur. C'est tellement bidon que t'as pas trouvé. Bah, il faut. Voilà. Mais sur ma vie, que c'est tellement bidon que dans ma tête, je me suis dit, c'est pas possible.
Bah, il faut oser. Au-dessus du ventre, c'est le symbole de l'amour, mais... c'est une énigme à la mort. Carambar, c'est pas marabar, carambar. Ah, carambar. Ah, voilà, voilà. Attends, on va faire un vrai énigme difficile. On va taper. Et là, c'est quoi le gage? Moi, j'ai mon gage. Mon gage? Est-ce que je te l'annonce? Vas-y. Mon gage, c'est que là, pour la prochaine fois, on filme une vidéo où tu me dis oui à tout ce que je veux. Ok. Mon gage, tu m'offres des vacances avec mon pote aux îles Baléares. Il est malade. 5 jours aux îles Baléares. Non, on va trouver des prix vraiment au minimum. Mais t'as raison. C'est ça mon gage. C'est que je t'envoie des photos, des vidéos. C'est la fête. C'est halal. Non, rêve, mais... non, cherche autre chose. Bon, non, mais c'est quoi ça? C'est pas des gages. C'est un gage. C'est pas un gage. Si, c'est un gage. Ah non, offre-moi des vacances déjà, t'es arrivé. T'as cru chez qui? Tu m'offres des vacances. Non, t'acceptes ou t'acceptes pas? J'accepte pas. Non, t'es chaud, mais. Et j'ai mangé de la rissa. Et alors? Mais les filles. Là, ça me brûle encore. Entre de la rissa et faire un voyage, s'il vous plaît. Dépenser je sais que ça va te faire chier que je pars. C'est pour ça. Comme là, moi, ça m'a fait chier de manger. Ça m'a fait chier de te masser, ça m'a fait chier tout ça. Mais vas-y, tu rêves. C'est n'importe quoi. C'est comme si je te disais, bah, moi aussi, je vais avec ma copine, je sais pas où. N'importe vas-y. Parce que tu vas être vraiment dégoûté si je gagne. Bah, c'est le jeu. Je suis enceinte et tout, je suis pas con. Hein. Bah, maintenant, après. Ah, bah, non, bah, voilà, arrêtez. Nous sommes nés dans de la même mère, la même année, le même mois, le même jour et la même heure. Pourtant, nous ne sommes pas jumeaux ni jumelles. Pourquoi? Parce que nous sommes des triplés, du hasard. On est des faux jumeaux. Vas-y, vas-y, on verra ce que c'est. Triplés. Wouah! Happy birthday to you. Pourquoi je suis trop forte en plus? Là, je tombe en 2 secondes. J'ai jamais entendu ces énigmes, c'est un truc de ouf. Attends. Non, mais franchement, là, je te fais un gage. Et après, si tu veux, tu en refais. Et là, je te fais un gage. Sinon, c'est bête. La vidéo, tu perds tout et il n'y a pas de gage. Est-ce que tu préfères un truc de maquillage, un truc où tu manges? Vu qu'on n'a pas de cire, est-ce que tu me laisses? Parce que moi, j'ai pas de bande de cire, je suis trop fragile. Est-ce que je peux prendre un bon truc de scotch? Bien te mettre sur ta jambe et comme si c'était un truc de cire et t'as de la chance, c'est pas ça. Bah. Ça se trouve, c'est trop pourri, mais je voulais trop lui faire le truc de la bande. Je sens pas la douleur. C'est sûr que tu les prends. Voilà. Normalement, ça doit faire mal aussi. Toi, t'aimes que la souffrance. Non, mais... T'es sadique dans ta tête. Attends. Bah, elle laisse pas. Parce que j'ai dit, c'est comme de la cire. Et c'est toi qui dois te le retirer après. Je me l'enlève tout doucement, tranquille. Non, il faut le retirer d'un coup. Putain, on dirait que ça colle même pas. Ah. Allez, tu retires d'un coup. Ah. Menteur. Ça fait pas mal. Ah, c'est trop nul. Mais je savais qu'il n'y a pas de scotch, t'inquiète pas, c'est pour ça que je t'ai dit oui. C'est trop... Vous êtes face à deux portes. L'une donne sur l'enfer et l'autre sur le paradis. Vous ne savez pas laquelle mène au paradis et laquelle à l'enfer. Juste à côté de ces portes sont présentées deux personnes. L'une est un menteur, l'autre dit toujours la vérité. Vous ne pouvez poser qu'une seule et même question aux deux personnes pour savoir quelle porte prendre. Quelle est cette question? Bah, la question, ça va être qui est le menteur? Ok, c'est ta réponse. Non, je sais que c'est pourri. Oh non, c'était pas ça. Quelle porte vous choisirez? Ok, vas-y, fais un sûr parce que là, je sais pas du tout. La solution, c'est, il faut demander quelle porte me désignera l'autre personne si je lui demande quelle est la porte du paradis. Lorsque je la pose au juste... C'est ça, quelle porte tu choisis, tu désigneras. Oui, bah t'as gagné, alors vas-y. Je te maquille le visage. Qu'est-ce que tu veux me faire? J'étais bien, là. Je te maquille le visage à ma sauce. Vas-y. Oh, ça va pas une autre. Tu peux venir? C'est Bibino. Hein? C'est Bibino. Tu peux venir? C'est bébé. Elle a la place. Oui. C'est mon petit bébé.
Et après, t'as un nouveau petit bébé. C'est le carnaval. Del Rio. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est quoi ça? N'importe quoi! Oh non, t'abuses, je vais devoir me démaquiller pour moi. Hey, mon eyeliner, c'est combien ça coûte, Pop? On dirait papa. Oh là, qu'est-ce que c'est? La barbe, j'ai la barbe. Attends, ça me gratte le nez. Voilà. On dirait la barbe. C'est bon, ça m'a... Arrête, tu m'écrases trop la tête. Bah, tourne la tête. Oui. Mais parce qu'il t'a mis du maquillage, là, lui. Vous voulez que je la maquille? Voilà mon maquillage. Tu peux faire quoi, Chétane ou quoi? Oh, ouais. Ah oui! Non, il t'a pas fait chier toi! Tu m'appuies trop la tête! J'avais une belle peau là! Il a tué la peau, ça me gratte là! T'avais tellement le seum quand même! Maman, c'est pas le seum! Ouais? Elle s'en fait un, la fille! Oh, ça fait allez, le paillet pour finir! Le pailleté? Oh non! Papa, il a tout gâché! On voit pas les pailletés! On dirait un clown! C'est bon? Là, regarde. Je m'attendais pas à ça. Je vois que je voyais du noir, une barbe noire. Regarde là. On hésite entre un diablo ou un lapin. Franchement, t'as vu comment tu dis? Alors moi, je suis quoi? Je suis ça. Comment je ne vous ai pas dit qu'il avait ça. Peut-être me donner des idées de vidéos, s'il vous plaît, qu'on peut faire à deux. Genre en commentaire, parce que franchement... Papa, tu voulais faire quoi là? Je sais pas, il voulait sortir sa créativité. Maintenant, du coup, je vais devoir me démaquiller. Voilà ma petite, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Mais surtout à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Bon dimanche à vous. Bon dimanche, un petit dimanche. On sera dimanche ce jour-là. Ah oui, bon dimanche à vous. Mais les gens, quand ils regardent, c'est pas un dimanche. Ah peut-être. Pour ceux qui regardent, tout de suite, dès qu'ils reçoivent la notif. Et comme on dit, on retient qui? Que le gagnant. Et j'ai gagné. C'est la dernière partie. On retient que le perdant. Allez, bisous. Ciao. Tu regardes et tu likes pas. Ok.